Salut, c'est Mike. Ce soir, je vais te faire une petite vidéo sur le service Amazon Lightcell. Donc, il te permet d'héberger des applications faites en JS, en Node.js, en React.js ou tout type d'application qui tourne derrière un serveur Node.js. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, je voudrais te rappeler que Amazon, ce n'est pas uniquement une boutique en ligne. Ce qu'il faut savoir, que Amazon, il propose tout un tas de services cloud, en fait, qui te permettent d'héberger tes applications ou tes serveurs, de créer des serveurs en ligne assez facilement. Il faut quand même avoir quelques petites compétences techniques, mais c'est assez facile, c'est assez accessible comme service. Et récemment, donc là, ils ont sorti un nouveau service qui s'appelle Lightcell, donc qui est encore plus simple d'utilisation et qui est beaucoup moins cher que les instances qu'on appelle EC2. Donc, ils sont vraiment des serveurs dédiés qui coûtent assez cher. Donc, je vais aller te montrer ça sur le site. Donc, sur le site d'Amazon Lightcell, je vais me connecter à la console. Comme tu peux voir, c'est une console en ligne. Donc là, je me connecte à la console. Donc ça, c'est la console d'Amazon avec tous leurs services en ligne. Je vais te montrer un peu la console EC2 classique où j'héberge mes serveurs sur du site fixtrip.com. Donc là, il y a une instance qui est en train de tourner. Comme tu peux le voir, c'est assez poussé comme interface. On peut créer des instances assez rapidement. On peut choisir le type de distribution Linux que l'on veut pour son serveur. On peut mettre ça en Windows. Donc c'est vraiment un service assez sympa. Par contre, chaque image que tu montes sur tes serveurs, comme typiquement là, si je crée un serveur Linux, etc., tu dois tout configurer, c'est-à-dire le serveur Apache, le serveur Node, tout ce qu'il y a derrière, faut tout recompiler, faut tout gérer de A à Z. Donc ça te prend quand même un temps non négligeable, et puis si tu n'as pas les compétences, ça peut vite devenir un bordel. Et surtout toi, si tu commences à coder, tu as envie de tester un peu tes applications, tu as envie que ça soit assez rapide. Donc tu n'as pas envie de passer par ce type d'hébergement là, EC2. Par contre, moi je l'utilise, c'est vraiment poussé, on peut faire énormément de choses. Mais moi, j'ai plutôt te présenter ce soir le service Lightcell. Qui est ici. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus light, c'est réservé plus aux utilisateurs débutants, j'ai l'impression. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. La première chose à faire, c'est de créer une instance, qu'on appelle une instance, soit Windows, soit Linux, et ensuite de choisir, c'est alors ils ont des sortes d'images, c'est des versions de Linux qui sont pré-réglées. Typiquement ici, si tu peux mettre une version qui contient WordPress, une stack LAMP, c'est-à-dire MySQL, PHP, tout ça, Node.js, donc ce qu'on va utiliser ce soir, une pour Joomla, une pour GitLab, enfin tout un tas d'images assez connues. Donc là, je vais tester avec une version Node.js, et comme tu peux voir, donc ça commence à partir de 5$ par mois, ce qui est vraiment raisonnable pour ce type de serveur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que maintenant tu as quand même OVH, tu as Amazon aussi qui se mettent à lancer ce type de service en Node. Tu as Heroku aussi qui fait ça. Je vais te montrer, ça s'écrit comme ça, Heroku. Heroku Cloud qui font ça. T'as le service Azure de Microsoft, pour parler des concurrents, qui propose aussi des hébergements Node. Bon, bref, il y a plus, il y a quand même pas mal de concurrents. Donc, la plateforme d'Amazon est plutôt bien faite et permet de se connecter, par exemple ici, en SSH. Alors, je vais retourner. Alors, je vais pas créer une instance. J'ai créé une instance pour aller plus vite tout à l'heure. Donc,
C'est une instance à 512 mégas. Donc ce qui est pas mal, c'est que tout y est simplifié parce que normalement avec le EC2 instance, il faut se générer des clés SSH publiques, privées, il ne faut pas les perdre, il faut se connecter en SSH comme je suis ici là, via un outil qui s'appelle Putty. Donc là ce qui est pas mal, c'est qu'on peut tout faire dans le navigateur. Donc là je me connecte en SSH sur une page web. Donc voilà, donc j'ai accès directement à mon serveur Linux, donc c'est assez rapide à monter. Bitnami, en fait Bitnami ce sont des images toutes faites de Bitnami. C'est des applications toutes prêtes. Alors elles ont des catalogues de plein de serveurs, enfin bref, peu importe, mais voilà, c'est une version. C'est une distribution de Bitnami. Donc voilà, là vous avez accès en SSH à votre serveur Linux d'Amazon. Donc après il faut savoir, voilà, je suis dans PWD, donc je suis dans Home Bitnami. Normalement on a accès à Git est préinstallé, donc ça c'est bon, Git est préinstallé, NPM pareil c'est préinstallé. Là ce que je vais faire, je vais aller sur mon GitHub pour récupérer un projet que j'avais commencé, un petit projet tuto qui était fait en React. Il est où ce projet là, con? Alors mon projet, c'était un petit projet en React, mais il est où ce putain de projet, il est là. Donc voilà, c'est un projet, en fait ce projet c'est un fork du projet qui est hyper connu. D'ailleurs je t'invite, si tu veux commencer à faire du React, tu peux récupérer, c'est le React Boilerplate qui est une stack toute prête pour commencer en React. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai forké sur mon GitHub et puis j'ai commencé à tester une application. Donc première chose à faire, c'est de le cloner. Donc pour le cloner, tu cliques ici sur clone. Hop, je prends donc l'URL de mon Git. Ensuite, ce que je fais, je vais dans la console, je fais un Git clone du. Je crois qu'il faut coller là, je crois que c'est comme ça que ça marche. Voilà, je fais un Git clone du repository. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que sur le serveur Linux distant, il a cloné le projet qui est sur GitHub, donc ça veut dire qu'il a récupéré tout le code source et il a déposé sur le disque dur du serveur. Donc comme tu peux voir ici, en faisant un ls, on peut voir qu'il y a le projet React Tuto qui est bien dispo. Je vais aller dedans, dans cd React Tuto, voilà. Là tu vois tous les fichiers qui viennent d'être récupérés à l'instant. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais faire un npm i ou npm install. Donc là ce qui va faire le projet, donc ce que le npm install va faire, c'est que il va installer toutes les dépendances du projet, c'est-à-dire que on a un fichier package.json qui est ici, qui contient toutes les dépendances JavaScript vers les autres projets. Il va les récupérer, il va les télécharger, il va les installer et ensuite on va pouvoir démarrer ce projet. Donc là il est en cours, voilà, il télécharge les dépendances, il télécharge Webpack, voilà. Donc, il me prévient qu'il y a un update qui est disponible pour npm. Moi, je ne vais pas le faire maintenant, mais voilà. Ensuite, je vais faire un npm start. Et voilà, le projet. Donc, le projet a été récupéré et il vient d'être démarré sur une instance Amazon Lightcell. Donc, comme tu peux voir, j'ai fait ça en quelques minutes. C'est hyper rapide, c'est hyper simple, c'est hyper efficace. Donc, maintenant, on va le tester. Alors, on va essayer de se connecter. Alors, je pense que ça va pas fonctionner si je me connecte ici avec cette URL.
Parce qu'à mon avis, c'est une. Bah oui, c'est forcément une IP. L'IP que tu vois ici, c'est une IP interne. Donc, si tu veux récupérer l'IP de ton projet, donc tu vas dans Amazon. Donc, ça, c'est l'IP publique. Donc, l'IP publique de ton serveur. Donc, normalement, tu dois pouvoir te connecter comme tout. Les serveurs en HTTP, http://, l'IP de ta machine sur le port 3000. Et comme tu peux voir, je viens de me connecter sur le serveur sur le port 3000. Alors attention, oui, si tu fais ça, ça va pas fonctionner direct. Il faut que tu autorises l'ouverture du port 3000 en allant dans mise en réseau. Non, c'était où ce connerie? Mise en réseau, voilà. Mise en réseau, tu fais ajouter une règle. Tu fais personnaliser TCP et tu mets le port 3000. Alors si toi tu veux te connecter, si ton projet il est sur un autre port, du port 5000 par exemple, tu mets port 5000 comme ça, hop, et enregistrer. Si tu es en base de données 3306, pareil, tu peux accéder à ta base de données. Voilà pour l'ouverture des ports. Alors oui, tu vas me dire, là c'est quoi cette histoire de port 3000, etc. Normalement, je me connecte pas en port 3000. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vraiment pour tester, c'est-à-dire pour tester le déploiement de ton application. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il y a un serveur Apache, donc lui qui tourne sur le port 80. On le voit, il devrait être ici. Normalement, bah voilà, il est ici. On le voit ici. Là, alors je ne l'ai pas configuré, mais normalement ce qu'il faut faire après derrière, alors je ne sais pas si c'est un Apache ou un Nginx, mais ce qu'il faut faire derrière, c'est de faire une redirection du port 80 vers le port 3000 de ton application. Et tu refermes ensuite ici, tu supprimes cette règle pour pas que les gens puissent se connecter en direct sur le port 3000. Un serveur node, c'est pas fait pour être attaqué direct en frontal comme ça. Ça doit forcément passer par ce qu'on appelle un proxy, mais c'est pas un proxy au sens proxy, un proxy au sens Apache, c'est-à-dire que le serveur Apache va juste récupérer les connexions et puis avec un tas de modules, il peut régler les, il peut filtrer les attaques, etc. Tandis qu'un serveur node, c'est pas fait pour ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette config maintenant, mais voilà, ça se fait directement sur le serveur ici. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre sur Amazon Lightcell? Oui, donc là, tu es sur une IP publique. Donc, tu n'as pas de nom de domaine ici. Ici, tu ne gères pas les noms de domaine. C'est vraiment les serveurs. Je pense pas. J'ai pas regardé. Je ne sais pas où ça fonctionne, les noms de domaine. Mais en gros, si tu n'es pas obligé d'être chez Amazon pour avoir un serveur DNS, tu peux avoir ton propre serveur DNS chez un autre hébergeur, chez un autre fournisseur de DNS. Ce qu'il faut, c'est que si tu as une IP, un nom de domaine qui s'appelle, comme moi, frenchmike.com, ce nom de domaine, il a associé à une IP publique. Et bah, par exemple, tu fais rediriger cette IP vers l'IP de ton serveur. Donc moi, dans mon cas, je sais que je suis hébergé chez Amazon EC2. J'utilise le service, comment il s'appelle le service, j'oublie tout le temps, c'est Route 53, je ne sais pas où il est d'ailleurs, c'est ici, Route 53, et c'est ici que tu gères les redirections. Alors moi j'ai des domaines, je vais peut-être pas, voilà, j'avais pour ma startup Fixtrip, hop, donc tu as un système de d'entrée, par exemple, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'entrée A, il me semble. Ça permet de gérer plusieurs sous-domaines, mais en gros, c'est ici quand tu as ton domaine, donc ça doit être ici sur ton, là c'est fixrip.com, et si ton nom de domaine c'est un autre, hop, tu mets l'IP ici de ton serveur dans l'enregistrement. Boum, tu fais sauvegarder. Tu as un petit délai de quelques minutes à quelques heures avant que ça soit reconnu publiquement sur les serveurs DNS. Et quand tu vas taper ton adresse, tu seras donc redirigé vers cette IP qui affichera donc ton application ici, tout simplement.
tu veux, même ce qu'on peut faire. Donc ensuite, là, c'est pour tester comme ça rapidement. Ce que tu peux faire après, c'est si tu es en mode développement, par exemple. Là, je vais me mettre sur éditer mon répertoire, un truc de dev. Par exemple, allez. Je vais aller dans un truc qui s'appelle tuto. Hop. Voilà, admettons, tu es en mode dev. Donc tu clones ton répertoire avec Git. Hop. Donc tu peux cloner en local comme ça. Voilà, je clone le projet. Donc là tu clones en sur ton ordinateur. Voilà, donc tu viens de récupérer le tuto et là tu dis tiens, bah, je vais par exemple modifier. Alors moi j'ai fait un tuto page machin. Dis donc tu veux modifier, je sais pas moi. Un texte, peu importe, c'est pour tuto page. Par exemple, j'appelle tuto page, je vais l'appeler tuto page French Mike. Donc ça, c'est le title, donc ça veut dire que c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici dans le title. Hop, moi j'ai mis ce slash tuto, je crois. Voilà, tuto page, tuto page. Et bah, par exemple, je vais modifier ça. Voilà. Et ben, par exemple, si tu travailles en local et que tu veux tester directement, donc tu as ton fichier qui a été modifié ici. Tuto, je vais le mettre modifié pour qu'on voit bien que ça a été modifié ici. Donc comment ça se passe? Du coup, ton fichier a été modifié. Tu reprends ton projet, tu le commites sur ton serveur, sur ton guide. Donc là, c'est un guide public, mais tu pourras avoir un guide privé. Donc, je vais l'appeler test tuto vidéo. Ça, c'est le nom du commit. Donc, ton fichier là, que tu vois ici, qui a été modifié, donc, je le commit, je l'envoie sur le serveur de GitHub. Hop, le mot de passe du serveur. Donc là, cet enculé ne me reconnaît pas. Ah ouais, non, mais je me suis déconnecté. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, imaginons que le commit part sur le serveur. Ce que tu fais après, tu reviens donc sur ta machine ici. Tu stops le serveur. Hop. Voilà, là tu fais un git pull, hop. Donc là il dit already up to date parce que j'ai pas eu de modif, mais si tu as des modifs, il va récupérer les dernières modifs sur le serveur Amazon et tu relances un git npm start et tu es à jour. Donc autant dire que c'est. Moi je trouve que c'est vraiment simple, c'est vraiment. C'est vraiment hyper rapide à monter. Quand j'ai découvert ce service, je me suis dit putain, c'est hyper simple comparé au truc EC2 où tu gères tout de A à Z, c'est toi qui montes ton serveur Apache, la base de données, tu récupères Git, Node, faut que tu récupères Node, faut que tu le pull, faut que tu le recompiles, tu as des problèmes de version. Tu récupères la bonne version pour le bon Linux. Enfin, tu peux prendre plusieurs semaines avant de monter un environnement stable. Là, en deux clics, tu as un environnement qui est super stable. Tu peux faire des images aussi. Alors, je ne sais plus où c'est, mais tu peux faire des instantanés. C'est-à-dire que ça te crée une sorte de snapshot. C'est-à-dire que ça te fait une photo de ton installation à un moment T. Tu gardes ça de côté. Tu peux faire plusieurs backups que tu peux restaurer à tout moment. C'est vraiment hyper simple. Tu peux aussi créer autant d'instances que tu veux pour faire des tests et t'es payé à la minute, enfin à la seconde même. Donc du coup tu fais tes tests, tu peux killer les serveurs, tu peux les virer. Donc c'est vraiment un super service, le Amazon Lightcell. Donc voilà, c'est vraiment un super service, le Amazon Lightcell. Je recommande vraiment à tout le monde. C'est vraiment top. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je fais une chaîne qui parle de programmation. Je fais des formations pour apprendre à coder.
Pour moi, donc, comme je dis souvent, c'est que tout le monde peut apprendre à coder. Coder, c'est vraiment facile. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires hein, si tu as des questions sur ce tuto. Abonne-toi à ma chaîne si tu souhaites recevoir plus de tutos de ce type ou plus d'informations sur la programmation en général et tout ce qui tourne autour du HTML, du web, de React.js, des langages, voilà, des langages comme ça à la mode, de Java, enfin d'énormément de techno. Je vais faire énormément de tutos. L'idée, c'est que pour moi, tout le monde, vraiment tout le monde peut apprendre à coder, même quand tu n'as pas de diplôme, même quand tu... Voilà, tout le monde peut apprendre à coder. Donc, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Smashing on a bitch, just get it. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X. Jills, got a new car, got a new bitch.